Jahren gelungen, eine sehr homogene Gruppe wachsen zu lassen, die mittlerweile so arbeiten kann, dass die Basis einer Produktion auf einer, sagen wir, automatistischen gemeinsamen Improvisation besteht. Das heißt also, wir treffen uns zur Probe, ohne vorher zu wissen, was wir vorhaben werden, in der Zeit der Erfindung, nicht in der Zeit des Präzisierens. Also am Anfang, wenn wir eine Geschichte gemeinsam, eine Produktion gemeinsam erarbeiten. Also das ist also, glaube ich, nicht so üblich, dass das in dieser Weise funktioniert, ohne Dompteur sozusagen. Musik hat die Funktion in unseren Vorstellungen, die anderswo der Text hätte. Beaucoup plus facile d'accès, mais tout à fait remarquable aussi, bien que dans un autre genre, le texte merveilleux qu'est L'éloge de la folie, écrit en 1511 par ce grand humaniste qui était Erasme, un ami de Thomas More, un homme qui, bien qu'habitant Anderlecht, dialoguait à l'époque avec tous les grands noms du temps. Un esprit assurément universel, qui fait d'ailleurs que le texte a dû être à peine actualisé pour passer merveilleusement la rampe portée par les épaules d'une comédienne qu'on ne connaissait à tort que comme un clown en jupon, Marion. Mais ce que je trouve le plus merveilleux, ce sont ces vieilles, si vieilles, si cadavéreuses qu'on les croirait sorties des enfers, et qui passent ce qui leur reste de vie à répéter « La vie est belle !» Elles sont chaudes comme des chiennes. Elles sentent le bouc, comme disent les Grecs. Elles dépensent n'importe quoi pour s'offrir un jeûne éphèbe. Elles se fardent sans cesse, ont toujours un miroir à la main. S'épilent l'endroit intime, étalent des mamelles flasques et flétries et implorent d'une voix chevrotante la satisfaction d'un désir insatiable. Elles aiment boire, rire, danser, écrire des billets doux. Tout le monde se moque d'elles et dit qu'elles sont archi-folles. En attendant, elles sont contentes, jouissent de mille délices, goûtent toutes sortes de douceurs. Et grâce à moi, elles sont heureuses. À la chapelle des Brigitines, donc, jusqu'au 25 de ce mois, j'espère que vous avez bien noté le numéro de téléphone. C'est le 02 511 97 85. Culture encore, mais du cinéma maintenant. Le Festival de Wallonie à Namur se termine, mais Selim Sasson, toujours fidèle au poste, a deux films à vous proposer ce soir. Bonsoir, alors je vous retrouve devant le studio où Claude Lacroix officie à peu près en permanence à Namur, enfin, quand c'est pas lui, il est relayé par ses copains, sous le chapiteau, ce qu'on appelle ici le chapiteau. Mais de toute manière, nous approchons maintenant de la fin. Il faut dire qu'on produit du cinéma. Les grands moments que l'on attend encore, c'est Maladie d'amour de Jacques Deray, Travelling avant de Jean-Charles Takela, et alors un film que j'aimerais pointer quand même, c'est Champ d'honneur de Jean-Pierre Denis, avec Chris Campion et la petite Rocard. Avec ça, on va s'en sortir. Tu vois, le nord, c'est là. Elle le marque toujours. Chez toi, c'est par là. Et là-bas, c'est le sud, c'est chez moi, Sauvagnac. Au
Treason! Treason! Et puis, je crois qu'il faudrait quand même ne pas perdre de vue un film qui est projeté hier, un film de Gilles Béat, Charlie Dingo, avec Caroline Sellier, Laurent Mallet, etc. Mais avec, dirais-je, surtout à Guy Marchand. Vraiment assez étonnant. Il y a des moments où il me semble qu'il finit par ressembler à Dufilho. Dès que vous aurez répondu, Monsieur Pernat, je me ferai un plaisir de libérer vos camarades qui vont être en retard pour le cours suivant. Oui, toi, fille, qu'on a un terreau de maths. Bon, messieurs, y a-t-il quelqu'un qui puisse débloquer la situation? Je répète, quelle est, selon vous, la définition de l'autarcie? Je dirais que l'autarcie est à l'économie ce que la veuve poignée est à la sexualité. Une sorte de branlette en attendant les jours meilleurs. Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. Saïd. Salut. Bon, raconte pas. Tu dois te sentir barbouillé. Ça va un peu ta langue? Qu'est-ce que vous faites ici? Finir ce qu'on a commencé. C'est du harcèlement? C'est de la sympathie. C'est des projets pour toi, mon fils. Pas de chier, monsieur. Ah bah c'est élégant, ça. Prends ton cartable, professeur, on s'en va. C'est pas possible, j'ai un cours à 18h. Il y a un règlement. Merde au règlement, veux-tu? On est d'accord. 17h? Parce que c'est toi. Je t'attendrai devant Saint-Joseph. Et pas de blague, hein. Je t'ai choisi. Alors ne me laisse pas tomber. Et voilà, nous approchons tout doucement de la fin de notre journal. Peu d'informations sportives en ce début de semaine, si ce n'est que c'est la Suède qui jouera la finale de la Coupe Davis en tennis. Et au tiers écarté, top 5 qui se courait cet après-midi, il fallait jouer le 2, le 5, le 6, le 12 et le 18. Dans l'ordre, le top 5 rapporte, vous le voyez, 1 135 000 francs. Mais il y avait aujourd'hui une super prime de 2 millions qui n'a pas été gagnée, paraît-il. On remettra en jeu mercredi une cagnotte de 3 millions, pas moins. De quoi, si vous les gagnez, échapper pour quelque temps du moins au mauvais temps qui nous menace. La zone anticyclonique que nous avons connue tout au long de la semaine dernière s'est définitivement éloignée vers l'est et se trouve actuellement sur l'Europe centrale, d'où elle nous influence encore un peu. Notre pays maintenant se situe entre deux zones dépressionnaires. La première atteindra prochainement les îles britanniques après avoir quitté l'Islande, alors que la deuxième nous vient de la France et remonte lentement vers nos régions. Cette nuit, pas de ciel sera en perspective, mais plutôt un ciel couvert qui occasionnera le retour de la pluie. De plus, un risque d'orage isolé nous est annoncé. Demain matin, les nuages seront toujours bien présents dans notre ciel, de même qu'une brume qui se transformera en banc de brouillard sur les reliefs ardennais. Quelques éclaircies pour demain après-midi qui ne devraient hélas pas nous empêcher de retrouver l'une ou l'autre averse locale. Avec tout cela, les températures ne manqueront pas de diminuer légèrement à travers des minima qui varieront entre 10 degrés en Ardennes, 16 dans le centre et 15 à la côte, alors que les maxima varieront entre 17 degrés en Gaume et 18 degrés dans le centre du pays et au littoral. Il n'y avait qu'un seul grand titre dans notre journal en cette fin de soirée. Par le miracle de l'instauration de la vignette autoroutière, notre taxe de circulation auto va s'en trouver réduite d'autant. Je simplifie à peine, c'est l'astuce qu'a trouvé notre ministre des Finances, Mark Hyskens, pour faire admettre cette fameuse vignette autoroutière par les autorités européennes. Mais pour la plupart d'entre nous, ça ne changera en définitive pas grand-chose. Demain, nous serons là, Jean-Pierre Gallet et moi-même, pour vous présenter d'autres informations. Merci en tout cas de nous avoir tenus si longtemps, compagnie. Bonne fin de soirée ou bonne nuit à tous.
Oui, et demain, donc, Jacques, à 19h et à 22h10 pour JT dernière. Avant cela, 20h, début de soirée, ne manquez pas la première de Double 7, cette nouvelle émission produite par le Centre TBF Charleroi, marquée par le retour de Robert Frère, vous savez, qui pendant de longues, longues années a animé le jeu à vos marques. Robert Frère et un nouveau visage, Bernard Perpète. Il s'agit donc d'un grand jeu destiné à des couples, un couple sur la sellette par semaine, un jeu qui permettra à ce couple de remporter 700 000 francs en espèces, en appareil IFI ou électroménager, un voyage et peut-être même aussi de gagner une voiture. 20h, Double 7. Après quoi, une nouvelle série également, une série intitulée « Nous, jeunes », ce premier numéro, « Les jeunes de l'instant ». Quatre pays ont voulu cette série d'émissions, la France, le Canada, la Suisse et la Belgique. Leur ambition, donner la parole à de jeunes francophones au même moment et dans chaque pays. Cela afin de prendre la mesure des nouvelles valeurs de la jeunesse de la fin des années 80. 22h10, comme je vous le disais, JT dernière, et à 22h40, place au Ciné-Club de minuit, qui inaugure demain un cycle consacré au nouveau cinéma anglais. Premier de ces films, il s'agit d'un film policier, Meurtre dans un jardin anglais, que Peter Greenaway a tourné en 1982. Philippe Reinhardt viendra vous présenter le film. Voilà donc pour l'essentiel de notre soirée de demain. Celle-ci s'achève ici. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, qu'elle a répondu à votre attente. Et bien sûr, nous serons très très heureux de vous retrouver également demain. Bonne fin de soirée, très bonne nuit à tous et à bientôt. Mais tu restais là, silencieuse et froide comme la mouche.